Nous arrivons dans le château, manoir, maison, qu'importe, du docteur. Un fossé. Voilà le raccourci des escaliers. On n'a même pas pu. Soit on n'a pas réfléchi, soit on ne savait pas c'est où en fait. Mais il y a un raccourci si jamais. Faudrait faire un coup de balai. Hein. Voilà le bâtiment qu'on a visité. En fait, on a visité tous les bâtiments. Voilà. Et voilà. La maison du docteur. On a de la chance, tout est ouvert. C'est sûr, ça? Voilà, nous allons rentrer. Dégueulasse. Manoir. Moi, je dis château. Faire attention. Parce que là, c'est tout... Lengbeng. Ah ouais, quand même. 2001? Pourquoi 2001? Ah ouais, il n'y a vraiment, vraiment plus rien, en fait. Mais c'est quand même beau, parce que c'est grand. Les pieds de sommier, c'est-à-dire que cette pièce-là, c'était une chambre. C'est tôt, hein, pour que ce soit une chambre. Une cuisine ou un salon, peut-être. Je sais pas. Ça, c'est une grande pièce. Un levier, peut-être. Oh là là, c'est vraiment très 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 sale et très sombre. C'est triste, mais il n'y a vraiment plus rien en fait. C'est trop triste. Alors, à l'extérieur, la bâtisse est magnifique, mais à l'intérieur, c'est vrai que c'est vraiment pas très beau. Je viens. Très sombre. Wow. Bon, en fin de compte, il y a plein de portes. Des portes inutiles. Ouais. Voilà.
Je vais aller à droite. Alors, attention. Oh mon Dieu. Ah ouais. On peut même pas monter au troisième étage. Comment ça se fait? Là, il y a une entrée. On voit pas grand chose. Voilà. Un fauteuil. Dehors. Ah. Ça, c'est un. Je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je pense que c'est un matelas pour les personnes qui viennent consulter. Film. Sur ce mur-là, il y a vraiment des choses inappropriées. C'est vraiment dégueulasse. Continuons. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup de chaises et des bêtises sur les murs, mais bon. Et voilà, donc je me suis posée dans un petit fauteuil, affreusement sale, mais je me suis assise. Je remercie à ces personnes, je pense que je parle aux morts, donc voilà, s'il y a des morts dans ce manoir du docteur, merci. De nous avoir pu laisser rentrer dans votre demeure. Et même si c'est des bâtiments abandonnés, que ce soit château, maison, etc., c'est une activité plaisante. Bien sûr, il faut faire extrêmement attention, car urbex veut dire faire attention, et lieu interdit, voire dangereux. Donc voilà, prendre le matériel nécessaire. Je ne déconseille pas, et surtout pas en soirée, même si certains le font en pleine nuit, mais en fait non, en journée c'est très bien. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai à dire, merci. En plus, on pensait qu'il allait faire moche, et en fin de compte, il fait super beau. Donc voilà, on a franchement rien à dire. Et voilà,
pas quoi dire d'autre. J'attends, j'attends. Adieu, famille Adams. Au revoir et merci. C'est les escaliers super beaux là. Un peu quoi? Les matelas tout pourri, c'est vraiment endommagé, mais c'est magnifique. Ça, c'est un autre bâtiment ou c'était un reste de bâtiment, je pense. Décor, ah oui, me disait quelque chose celui-ci. On est où là? On est. Mais pourquoi une piscine ici? Eh bien, je pense que c'est pour que les personnes profitent aussi un peu du repos. Autre que la forêt, je pense. Waouh, regardez-moi ce super beau graffiti, quoi. Je vais m'approcher un petit peu avant d'aller à la piscine. Regardez-moi ça comme il est super beau, j'adore. Bien sûr, il faut faire attention aussi au toit. Hein, j'ai pas envie de me prendre des clous et des bâtons dans la tête. Eh oui, il nous avait promis la fin de l'épisode 3, c'est qu'il y a une magnifique piscine. Bon. Magnifique, c'est un grand mot, hein. Mais regardez-moi ça. Dommage qu'on n'a pas pris un mètre pour mesurer tout ça. Là, elle est moche, mais avec les graffitis, elle est sympa. Comment vous avez vu le raisonnement? C'est trop cool, hein? Dans la piscine. Trop cool! La meilleure partie, oui.
Eh, il y a des escaliers, on pourra monter. Comme c'est... Oh! Et voilà la piscine de luxe. Bon, maintenant elle est plus luxe, mais... Ah oui, comme c'est pas très propre. Waouh, un oiseau. Il est pas très beau, mais c'est un oiseau. Un crabe. Notre signature à la piscine. Donc, où je suis actuellement, je suis dans la dans le hangar, dans le bâtiment de la piscine, où vous avez vu sur cette vidéo. Donc, il y aura 3 épisodes à voir, bien sûr. Tout sera écrit en dessous de ma vidéo, donc en commentaire ou je sais pas, en dessous de la vidéo, quoi. J'espère que mes 3 vidéos en version chapitre de cette excursion à la clinique du diable vous a adoré, vous avez aimé, adoré, qu'importe. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. En plein jour, bien sûr. En pleine nuit, moi j'ai un peu la trouille, donc voilà. Mais dans l'ensemble, j'espère que ça vous plaira et j'en referai une prochainement. Et voilà. Et je sais pas quoi dire parce que j'ai tellement chaud sur mon casque, mon masque et ma veste, que je suis en sueur. Super. Voilà, bon, mon blabla, je ne pense pas que je vais le mettre. Je vais peut-être mettre une petite musique en fond, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère vous dire à très bientôt. Eh oh, on rentre du boulot. La 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 la. Eh oh. Eh ho, eh ho, eh ho, eh oh. Et voilà. Ça, c'est le premier bâtiment, je crois. Oh là là, regardez-moi ça. Tous les gens, ils ont tout cassé. Ou le temps, la tempête, les arbres et tout. On dirait un amphithéâtre, on dirait une... Genre, ouais, un amphithéâtre, une pièce pour faire un spectacle. Là. J'ai pensé que c'était un amphithéâtre, parce que vous voyez un peu le parterre, ça fait un peu comme pour faire des spectacles. Et non. Regardez bien autour. Bon, là, vous voyez pas grand-chose, c'est vrai. Je vous avoue que je vois pas grand-chose. Mais au niveau des fenêtres, vous voyez un petit peu que c'est des vitraux. Donc, vitraux veut dire église ou veut dire chapelle. Ah oui, stylé. Waouh. Ouais, je pense. Attention, elle a été grande hein, quand même pour une chapelle. Regardez-moi un peu les vitraux au-dessus. On voit pas grand-chose, mais on voit quand même que c'est un vitrail. Petit vitrail. Également, voilà, ça a été généreux sur le tag, hein, sur le graffiti. Hein. Wow, regardez-moi ça, je vais m'approcher un peu. Faire attention, bien sûr. Regardez,
un morceau de vitraux. Là. C'était une clinique luxe, hein? Luxe. Je filme. Wow. Il n'y a plus grand chose de restant, mais c'est chouette. Attention au sol de la chapelle, parce que c'est en bois, comme vous pouvez le constater. Regardez. Voilà. Là-bas, c'est pour mettre l'hostie, je pense. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de cimetière ou de mort. Ça me ferait un peu flipper. Voilà, l'extérieur. Et il y a des gens pas loin. Des urbex ou des personnes qui veulent visiter, hein, bien sûr. Comme nous, on fait actuellement aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le plafond, faire extrêmement attention au plafond. Voilà la dernière chose que je vous montre à ma troisième vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.